Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers youtubeurs. On se retrouve sur mon PC pour une nouvelle vidéo pour craquer Steam, avoir tous les jeux entièrement. Le seul désavantage, c'est qu'on l'a en anglais, bien entendu. Je sais pas si on peut aller dans les paramètres, voir tout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir, mais vraiment tous les jeux, tout. Voilà. Oh, ça doit être bien ça. Ouais, donc je vais vous montrer comment faire ça. Surtout, désactivez votre antivirus. Seulement l'antivirus autoprotect, ceux qui en ont. Moi, j'ai pas désactivé le pare-feu intelligent, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger. Donc ça, tout à l'heure, je l'ai ouvert avec Norton qui était activé. Je ne peux plus y accéder. Donc je vais aller dans mes téléchargements. Voilà, celui-là j'avais téléchargé. Donc bureau, enregistrer. Voilà, exécuter. Oui. Hop. Donc là il y aura un petit message comme ça. Vous faites oui. Ensuite vous faites next. I accept. Voilà. Et là, vous voulez cliquer un seconde, first. Vous allez cliquer sur les deux. Hein. C'est relou. Une et deux. Voilà. Next, next. Donc là, dès que vous êtes là, vous allez faire browse, programme fail. Vous allez descendre dans le dossier racine de Steam. Voilà, Steam. Vous faites OK. Next, next, next. Vous décochez ça. Next. Et là, vous l'installez. Bon, je vais le faire avec vous. Voilà, next, finish. Voilà, donc il y aura ce petit message, vous en faites pas. Vous faites oui. Là où il y a marqué go to the official machin, click the second. Ok, donc c'est pour télécharger la version qu'il y avait marqué sur ça, voilà. Donc cette version là qu'il faut télécharger, la 17.3 2012. voilà, donc ensuite vous allez faire cliquer là dessus voilà, ça vous amène sur un site en anglais, bon je sais pas quoi, merde, putain. Voilà, donc vous descendez un peu. Oui, vous descendez, patati. Donc là, vous allez croire qu'il faut cliquer sur download, vu qu'il est marqué download machin. Et vous allez faire download R. Et non, c'est pas ça. Moi, j'ai douillé pour le trouver. Alors, c'était sous mes yeux, donc vous allez cliquer. Vous allez cliquer sur ça, dans notre Steam. Voilà. 17.3. Téléchargement régulier. Hop. Téléchargement régulier, si ça veut bien. Donc là, vous attendez 60 secondes. Après, il y aura un petit truc qui aura marqué download fail. Vous irez cliquer dessus. Ensuite, dès que cela est fait, donc dès que vous avez cancel. Donc, dès que vous avez téléchargé cette petite mise à jour, il y aura ce dossier du 17. Donc là il y a marqué hein. Voilà, donc ça c'est la mise à jour que vous avez téléchargée. Vous l'ouvrez, exécuter, oui, next, I accept, next. Et ça c'est chiant, relou, putain. Bref, next, next. Donc là vous allez bien voir. Donc il y aura marqué le fois Steam. Enfin moi ça marque ça, donc vous allez juste marquer Steam comme ça. Next, next, next. Hop. Next, install. Donc je vais le faire avec vous. Donc là ça installe. Next, finish. Voilà.
Donc là, il y aura un message qui va s'ouvrir, ou alors c'est moi qui va l'ouvrir, je sais pas. Mais voilà. Donc il y aura marqué Steam Updating 0% complète. Là, je vais couper la vidéo et je vais mettre la fin, le fin du téléchargement. Donc là, le téléchargement est bientôt terminé. Voilà. Donc là, j'avais coupé cette séquence pour que ça aille plus vite. Donc voilà, là normalement il y a une petite fenêtre où il y a marqué Connect PlayStation Network, Create Account et Login machin. Vous allez cliquer sur la touche pour vous connecter et vous rentrerez votre mot de passe et votre truc, enfin votre comment ça s'appelle? Merde. Pardon. Voilà, donc votre idée, on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc cette fenêtre va s'ouvrir et vous avez tout plein de jeux. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous en voulez plus. Et oui, entre parenthèses, en arrêtant la vidéo, j'ai cherché comment le mettre en français, j'ai trouvé. Donc je vais vous dire ça rapidement. Vous cliquez sur Steam, vous allez dans Settings. Vous allez dans cet onglet et là sélectionnez l'onglet. Normalement, il y a une glitch. Vous cliquez sur la petite flèche et vous allez chercher français. Ok. Et là, ça va vous demander de redémarrer Steam. Donc, ça va se fermer et vous ouvrirez crack Steam. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine. Merci. Au revoir.